Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais revenir sur les émeutes. Vous êtes tous au courant de ce qui s'est passé suite au décès de ce jeune Naël qui est survenu, il avait 17 ans. Mais vous êtes nombreux à m'avoir écrit en me demandant vers où allons-nous? Est-ce que les émeutes vont continuer? Est-ce que ça va être une flambée de violence, etc. J'ai pris quelques jours de recul sur cette situation parce que vous savez que je ne traite jamais rien dans les émotions, dans l'urgence. Il est toujours préférable en voyance d'avoir un œil reposé et un œil qui est toujours, on va dire, détaché des émotions. Les émotions retombent, la violence retombe, le décès de ce jeune homme retombe aussi, même si on en parle encore beaucoup. Mais aujourd'hui, je vais aborder déjà un thème. Comment en sommes-nous arrivés là? Comment pouvons-nous, dans une société comme la société française, avoir un tel niveau de violence? Et puis, avec une autre vidéo, je reviendrai sur ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui ressort des intentions de ce jeune qui est mort et de ce policier qui est accusé de meurtre? C'est ça, hein, je crois, sans vous dire de bêtises, je crois que c'est ce qui est un petit peu retenu. Et quand on écoute la vidéo, je ne sais pas si vous l'avez fait comme moi, je n'entends pas ce policier dire je vais te mettre une balle dans la tête. J'entends autre chose. Alors, ensuite, je ferai une autre vidéo, c'est pour savoir vers où on va. Et puis, dans une quatrième vidéo, je ferai comment les pays étrangers perçoivent Emmanuel Macron dans sa gestion de cette crise. Donc ça fait quatre vidéos sur ce thème. Quatre vidéos, chacune avec un thème bien précis. Et aujourd'hui avec les runes. Avec les runes, je vais regarder, eh bien, comment sommes-nous arrivés là? Comment la société française peut-elle être fracturée, explosée à ce point avec des scènes non seulement de violence, avec des scènes d'émeute, mais aussi des scènes de pillage? Donc, c'est déjà le premier point de cette situation. Donc, je vais le traiter avec les runes. En voilà une qui s'échappe, la vilaine. Et la question va être très simple. La question rune, c'est comment la société française en est-elle arrivée à un niveau de violence vis-à-vis des émeutes que l'on a connues ces derniers jours? Donc, c'est vraiment l'origine du mal, si j'ose dire ainsi. Alors, vous connaissez la pratique, vous connaissez la maison. Je retire ce qui ne sert pas. Cette rune qui est tout en haut, elle est retournée. Celles-ci sont retournées. Et puis, on va regarder après l'analyse des runes. Déjà, dans leur schéma, dans le fait d'avoir été positionnées, d'avoir été retombées plutôt comme ça, parce qu'elles ne sont pas positionnées volontairement, elles sont retombées ainsi. Si on observe, je vous remets la petite maisonnette qui représentait la question, vous voyez qu'ici, on n'a rien. Alors, pour ceux qui connaissent, hein, qui ont vu comment je pratiquais avec les runes, je lis toujours les runes dans ce sens-là. Et quand je les laisse tomber, on va dire, de la petite sacoche que voici, elles tombent un petit peu où elles veulent. Je ne fais pas attention particulièrement, parce que de toute manière, ça ira quand même dans le sens que ça le souhaite. Que ça souhaite, et donc moi je ne peux pas contrôler où tombent les runes. Mais si on regarde, il n'y a rien ici pendant un temps, il n'y a rien après pendant un autre temps. Et si on regarde encore la position des runes, voilà comment je l'interprète. Les violences n'ont rien eu pendant un grand temps de notre histoire, de notre siècle, on va dire, pas du 21e, mais déjà à partir du 20e siècle. On va parler sur peut-être 50, 60 ans là. Il n'y a rien eu. Pas de problème particulier. Ça ne dit pas pourquoi, hein. Attention, c'est juste la position des runes. Ça ne dit pas pourquoi. Mais regardez de l'autre côté, il n'y a plus rien non plus. Ce qui veut dire que nous sommes à minuit, ici. Et que le plus gros, je dirais, est peut-être derrière nous. Parce que vous voyez, si on trace une médiane ici, nous avons ici un pic. Le pic est ici.
Nous avons ici beaucoup de runes, plus que de l'autre côté. Il y en a plus dans le passé que dans le futur. Et si on regarde le niveau des émeutes que nous aurons dans le futur, dans les années à venir, elles n'obtiendront plus le même niveau qu'actuellement. Ici, nous avons peut-être 2005, ce qui s'est passé avant. Peut-être, hein, je n'ai pas, encore une fois, je n'interprète pas les runes pour l'instant. Je regarde l'interprétation que je fais sur la position des runes. Parce qu'avec les runes, c'est toujours très intéressant de regarder comment elles se positionnent. Et là, visiblement, ce qui nous attend à l'avenir, eh bien, c'est de moindres effets. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus rien. Mais c'est intéressant de savoir peut-être pourquoi ça s'arrête ici. Voilà un petit peu les sujets de réflexion avant de commencer vraiment le tirage. C'est toujours très intéressant de regarder la position des runes. Elles nous en disent beaucoup sur les événements, sur le futur et sur le déroulement. Pas avec des mots, mais avec des positions. Et là, pour moi, nous sommes, oui, je dirais, nous avons encore devant nous, malheureusement, parce que c'est toujours difficile, des moments avec des émeutes. On a commencé ça dans les années 80, 70 peut-être. Je me souviens plus bien, je vous avoue. Et je serais tenté de vous dire qu'on en a bien encore pour une trentaine d'années. En toute honnêteté, hein, c'est pas la peine non plus de dire ça va s'arrêter du jour au lendemain, ou tout va être résolu par une intervention divine, ou par une intervention des extraterrestres, ou de l'armée. À un moment, il faut être dans la réalité, il ne faut pas divaguer. Nous sommes dans un réel qui est compliqué, ça fait des années et des années que nous traînons les problèmes, qu'ils ne sont pas traités, il n'y aura pas de baguette magique. La voyance n'est pas vous dire ce que vous avez envie d'entendre, mais c'est de vous dire ce qui est prévu, ce qui va arriver. J'insiste bien là-dessus. Bien sûr que j'aurais envie de vous dire que ça n'arrivera plus jamais, mais c'est faux. La seule chose que disent les runes, c'est que ça n'arrivera plus jamais à ce niveau-là. Et que pour moi, nous avons encore bien devant nous une trentaine d'années de problèmes. Mais attention, le point positif, c'est la décroissance du problème. Ce qui veut dire que de toute manière, concrètement, un gouvernement qui s'attellerait demain à résoudre les vrais problèmes face à cette montée de violence mettra du temps à le faire. Et ça, quel que soit ce gouvernement. Encore faut-il qu'il veuille bien le commencer. Et ça, vous avez entièrement raison. Mais quand ils le commenceront à vouloir régler ce problème, quand les politiques voudront se donner la peine de le faire, s'attaquer à bras-le-corps, nous en aurons pour encore une trentaine d'années. C'est pas d'il y a 10 ans, hein, que notre société est malade. Il faut être clair, il faut être lucide sur la situation. Mais à présent, regardons l'interprétation. Regardons un petit peu comment vont se dérouler les choses. La première rune, c'est celle-ci. Alors cette rune, si vous l'avez reconnue, c'est Uruz. Uruz nous indique, nous parle de terre déjà, dans un premier temps. C'est un de ses symboles. Mais avec la valeur divinatoire de Uruz, un petit peu ce qu'elle représente, c'est l'idée de gestation, d'une nouvelle naissance, d'une forme d'aide qui vient à nous. Uruz nous indique énormément de paramètres. Mais Uruz nous indique aussi, nous donne un conseil, ou plutôt un avertissement. Elle désigne un temps nécessaire pour préparer une nouvelle action, pour protéger et pour mettre dans notre sein une action. Alors pour traduire ça clairement, Uruz nous indique le point de départ de tous nos problèmes. Le point de départ, c'est le moment où nous avons eu besoin d'aller chercher des travailleurs ailleurs. C'est le point de départ. Un point qui finalement, s'il n'y avait eu que ça, n'aurait pas posé de problème. Uruz, la voilà, hein? Je vous la montre de près. Uruz, plutôt. Avec la bonne prononciation. Alors, pour être clair, donc, comme je vous disais, c'est le point de départ. C'est finalement le fait d'aller chercher des travailleurs pour venir en France. Le point de départ est là.
parce que nous n'avons pas tenu compte de l'avertissement que nous donnaient les runes, que nous n'avons pas tenu compte de l'avertissement d'Uruz, qui était de prendre soin de ce que nous faisions venir, de faire en sorte que la première génération que nous avons fait venir sur notre sol pour le travail devait être intégrée, devait être réellement intégrée. Or, il semble que nous avons fait n'importe quoi à ce moment-là, que nous avons commencé à faire venir une deuxième vague, puis une troisième, sans avoir été en capacité, par la volonté tout simplement, de s'occuper correctement de cette première vague. Notre péché original, notre origine de notre mal est déjà là. Et ça se comprend parce que finalement, si nous avons fait venir des travailleurs de l'étranger, de l'immigration, de pays musulmans, disons-le clairement, nous n'avons pas su les intégrer à notre mode de vie. Manque de volonté politique, manque de clarté politique, manque de clarté tout simplement pour l'avenir. Nous n'y étions pour rien, c'est les politiques de l'époque qui ont fait de graves fautes. Vient ensuite Sowilo. Sowilo, cette rune qui ressemble finalement à un éclair, comme un coup de foudre qui tombe, nous indique finalement que nous n'avons pas su amener la compréhension. Nous n'avons pas su emmener cette immigration vers un niveau de conscience, au final que nous n'avons pas su à la fois nous protéger de cette immigration et nous n'avons pas su les protéger. Il ne s'agit pas de faire un procès ni à ces gens qui sont venus, ni à ceux qui les ont accueillis. Il s'agit de comprendre une situation. La voyance n'est pas là pour faire de la critique systématique. La voyance est là pour regarder ce qui se passe. Or, nous n'avons pas su, et c'est au sens des deux premières runes déjà, finalement, faire de l'intégration. Nous avons pris des gens qui voulaient venir, nous les avons laissés venir, nous en avons laissé de nouveau, et nous avons recommencé les mêmes erreurs, sauf que les mêmes erreurs, il n'y avait plus 100 à intégrer, mais 200, 300, 400, etc. Et vous voyez que plus le chiffre devient important, plus ça devient compliqué à faire. C'est en tout cas ce que nous montrent ces deux premières runes. Vient ensuite cette rune, qui est importante. Je vous la montre bien, Pertro. Pertro, regardez sa symbolique, si vous la mettez comme ça, on a l'impression d'un récipient. Et on va y déverser tout dedans. Ça nous montre finalement que nous avons fait une concentration. Nous avons fait, certains diront des ghettos, d'autres des quartiers, d'autres des cités. Est-ce bien important le mot que nous allons employer? Nous avons permis finalement de regrouper toutes ces personnes et de créer un état dans l'état. Oh, bien sûr, j'exagère un tout petit peu, mais l'idée est quand même là. Nous n'avons pas su, encore une fois, diluer les personnes qui sont venues chez nous. Pas diluer leur personnalité, mais diluer leur mode de vie et leur permettre finalement d'intégrer le nôtre. Non, au contraire, nous les avons empêchés de vivre comme nous et nous les avons regroupés dans des endroits où finalement ils pouvaient vivre comme ils avaient l'habitude de vivre. Seulement, ces personnes n'étaient pas de la même culture que nous. Nous descendons d'une culture dite chrétienne, ils descendent d'une culture dite musulmane. Il fallait bien simplement se dire qu'un jour ce gobelet allait déborder. Ce gobelet-là, vous voyez, le récipient allait forcément un jour déborder, parce qu'il ne serait plus possible de les tenir ici. C'est l'échec des gouvernements. Alors bien sûr, les réponses, il y en avait plein. En faire venir moins, c'est possible. Ou ne pas les mettre dans un gobelet,
mais au contraire leur permettre de s'intégrer. C'était ce qu'il fallait faire dès le début. Parce que le problème, il était au début. Il est plus sur la troisième, quatrième génération. C'est trop tard. C'était au début qu'il fallait faire les choses correctement. Et visiblement, nous aurions pu en voir une société moins empreinte de violence. Sans violence, faut pas rêver, c'est très rare. Une société sans violence, l'être humain est violent. Mais nous n'aurions jamais connu les débordements, les ghettos et tout ce que nous connaissons à l'heure actuelle. L'origine du mal est bien la première génération. Ça a été un choix politique. Ce choix politique a été fait. Il y avait quand même des solutions. Il n'était pas à rejeter dans sa totalité, mais il a été extrêmement mal géré. Vient ensuite cette rune. Vous la voyez bien? Je vous laisse quelques instants pour la regarder, pour la comprendre, pour vous en imprégner. Je vous la mets un tout petit peu plus haut. Cette rune, c'est Anzus. Alors Anzus, quel est le sens à votre avis? J'essaie de vous faire participer un petit peu parce que c'est intéressant de regarder tous ensemble. Anzus, c'est la communication, l'inspiration, la sagesse, l'enseignement, mais pas le nôtre. Un enseignement extérieur, un enseignement qui est quand même basé sur le feu, sur d'autres horizons. Anzus nous montre qu'ici, déjà, il y a une petite fracture avec la première génération. Quelque chose se passe, quelque chose. Vous voyez ici, comme si je passe mes doigts de chaque côté. On est ici d'un côté, on est ici de l'autre. Je vais vous montrer comme ça. Hein. Vous voyez, nous avons ici une séparation. Anzus nous montre tout simplement que quelque part, à un moment, sont venus des gens qui sont venus donner une autre vision. Les premiers immigrés ou immigrants, les premières personnes venues, cette première vague, n'auraient jamais posé de problème. Mais il y a quelque chose d'autre qui est venu se greffer là-dessus. Qui est venu, soyons clairs, attiser les différences entre nous, les Français d'origine, et ces personnes qui venaient du monde musulman. Ils sont venus creuser le fossé d'incompréhension, appuyer là où ça faisait mal, sur nos propres erreurs, mais sur le ressentiment de nos erreurs. C'était facile. Et regardez ici, regardez avec Féhu. Féhu nous montre une émergence, un commencement. Nous avons ici le début de la radicalisation. Et là, nous avons très peu de temps après, finalement. Et vous voyez comme les générations sont là, première vague, deuxième vague, troisième vague. Bien sûr, je ne parle pas de génération, je parle de vague. Montée de l'islamisme, montée de la radicalisation. Ce n'est pas l'islamisme de la première vague qui posait problème, c'est ce qui se passe après que finalement des personnes sont venues pour creuser ce fossé. Et là, nous avons une émergence de violence. Et là, regardez tout de suite à côté de cette émergence qui vient. Nous avons l'impression d'être des victimes soumises avec nos dises. Nous n'avons plus notre libre arbitre. Nous avons la sensation d'être impuissants. Nous sommes débordés, débordés par les erreurs de nos politiques, débordés par finalement cette radicalisation qui vient sonner à nos portes. Il ne s'agit pas de dire que tous les Français sont racistes, ça n'a rien à voir. Ça, c'est exactement ces personnes-là qui sont venues monter et creuser le fossé entre des gens d'une génération, des gens d'une culture et des personnes d'une autre culture. Ce discours qui
appuie sur une forme de racisme, c'est encore une fois ces mêmes personnes qui sont là. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe. Simplement, l'émergence qui vient là, cette radicalisation qui vient là, nous n'avons plus de libre arbitre dessus. Nous avons perdu le contrôle. Le peuple français, finalement, a perdu le contrôle. Mais le peuple français, c'était eux aussi, ces premiers arrivants. Ils étaient aussi français. Ou du moins, ils sont devenus français. Et vous voyez que là, quelque part, on a complètement tout raté. Les runes sont très claires là-dessus. Et regardez à présent cette rune. Éoise. Éoise, si on regarde, c'est la survenue des morts, des pertes graves, d'une épreuve, d'épreuves au pluriel, et de remise en question et de transformation à venir. Les morts, nous les avons. Les pertes graves, nous les avons aussi. Des remises en question, oui, de certains. De renversement de situation, nous ne les avons pas encore. Face à cette radicalisation, nous n'avons pas de remise en question pour l'instant. Mais il y a quand même, à présent, dès à présent, des transformations à venir. Elles sont implantées, ces transformations, et plus rien ne les retiendra. Les transformations, si on regarde ce qui se passe derrière, elles sont plutôt de bon augure. Ça ne dit pas que tous les étrangers vont être rejetés à la mer. Ça ne veut pas dire que tous les étrangers vont devenir comme nous, ou que nous allons devenir comme eux, c'est-à-dire nous allons pas devenir une société qui va fusionner. Non, mais il y a des transformations sur ce qui se passe là, sur ce phénomène de radicalisation. Les transformations sont à venir là-dessus et sont plutôt optimistes dans leur traitement. C'est tout ça que souhaite nous dire Éoise. Car il y a des chemins, comme je vous le dis toujours, à trop aller dans un sens, le balancier de l'univers revient dans l'autre. La radicalisation est venue trop dans un sens. Et comme un balancier, ça va dans un sens, ça va dans l'autre. Vous voyez, c'est cette idée qu'il faut garder. Et vous voyez, tout à l'heure, je vous disais dès le début que nous avons ici ce point culminant. C'est Othalaz. Othalaz nous indique, avec ce point culminant, je vous la montre de près cette rune, que nous allons recevoir ce qui nous est dû. Presque comme une punition. Et c'est ce qui s'est passé avec ces émeutes. Nous avons le point, les émeutes de ces derniers jours, le point culminant de toutes les erreurs que nous avons faites. Nous prenons cela comme une punition. Elle est sévère, c'est vrai, parce qu'à la fois il y a eu un mort. Et peu importe qu'il soit coupable ou innocent de ce qu'on lui reproche, peu importe ça. Le sens de la rune n'est pas là. Le sens est vraiment de dire que, à force de laisser aller, à force de ne pas avoir su régler les problèmes ici, c'était écrit que nous irons cela. Et que, à présent, à force de ne jamais avoir réglé les problèmes, nous avons pris ce qui nous était dû. C'est-à-dire, nous avons reçu ce qui nous était dû, notre punition. Les émeutes, la mort de jeune homme de 17 ans. Et il y en a d'autres qui sont morts, hein. Si vous suivez un tout petit peu l'actualité, il n'y a pas eu qu'un mort, hein. En réalité, il y a eu plusieurs morts. Mais c'est une société qui est malade. Il ne s'agit pas de dire c'est des trafiquants de drogue ou pas. Il s'agit de dire que toute la société française est malade. Malade de nos politiques qui ont fait des erreurs. La faute leur en revient. Mais maintenant, que faire? Alors, justement, regardons à présent. Vous voyez, ici, nous avons cette ligne qui est là. Je vous la montre, hein. Volontairement, je vous la trace pour que vous la voyez bien. Kenaz, que voici. Kenaz, je vous la montre bien près, avec les reflets de lumière, c'est pas toujours simple. Kenaz nous parle d'un homme politique, ou plutôt
de l'homme politique, pas d'une personnalité en particulier, mais d'un mouvement politique qui va agir dans le social, qui va apporter des réponses. Alors ça ne veut pas dire que cette personne, parce que j'en vois déjà des gens qui, j'en vois déjà certains d'entre vous qui font des sauts sur leur chaise, cette rune ne dit pas qu'on va avoir un traitement avec de l'argent. C'est un traitement sur le social, sur les fondements même de ce qui vient ici, pour contrecarrer ici. Ça ne dit pas que ça se fait par l'argent, mais au contraire que ça se fait par le travail. C'est un travail à la fois de formation, à la fois d'emploi, et un travail aussi face à cette islamisation rampante, cette radicalisation. C'est vis-à-vis de ça que le travail se fait. Et c'est vis-à-vis de ça que le monde politique, que des personnalités politiques vont agir. Fini le traitement, finalement, par les allocations des problèmes, où on donne de l'argent aux gens pour qu'ils restent tranquilles, alors qu'ils ne resteront pas tranquilles. C'est une réponse qui va essayer de résoudre les problèmes qui ont été créés à l'origine. Et visiblement, on ne peut que dire une chose, c'est que ça va fonctionner puisque ça va aller en décroissance. Agalaz, que voici, vient renforcer l'idée de ce que je vous disais. Il y a de la restructuration dans l'air qui va se mettre à guider nos vies et l'essentiel va enfin apparaître pour chacun. Ce n'est pas une modification de l'ADN français, je vais le dire comme ça, mais c'est vraiment dans un second degré, hein, je ne parle pas au niveau physique, mais dans le schéma de pensée. Les politiques qui vont venir, c'est l'après-Macron. C'est l'après-Macron autour de 2027-2032. Je ne peux pas être plus précis pour l'instant. Vous voyez que sur ça, les échelles de temps ne sont pas faciles à voir, hein. Mais on est sur quelque chose qui prend racine maintenant. Et que quelque part, nous aussi, nous allons y participer par rapport à nos choix de politique qui vont nous représenter. Mais plus rien ne sera comme avant. Nous sommes arrivés avec cette... Nous en revenons à Macron, bien sûr. Il faut bien que quelqu'un symbolise les choses. Mais nous sommes venus au pic. Le firmament est atteint. Et vous voyez ici cette rune Hiera. Elle symbolise tous les changements. Elle symbolise l'alternance. Ça veut bien dire aussi que politiquement, rien ne va rester comme c'est. Je vous la montre encore, hein. Comme une roue qui tourne, vous voyez, c'est une alternance. Le monde politique va changer. Nos politiques vont changer. Ce qui veut dire que la Macronie telle qu'on la connaît va changer. La Macronie va disparaître. Et quelque part, c'est au-delà de cette Macronie que l'on aime peu en général. Au-delà de ça, c'est vraiment le politique qui va changer. Il va avoir cet effet de balancier qui va faire revenir où trop de laxisme donne de la place à de l'ordre. On a idée que de toute manière, la société française va virer vers la droite. Ça ne parle pas forcément d'extrême droite, hein, mais vers une droite plus, à la fois plus sociale et à la fois, si je devais le résumer avec un mot, plus gaulliste peut-être, tout simplement. Même si le pauvre général de Gaulle, ça fait bien longtemps qu'il nous a quittés. Mais vous voyez, c'est cet esprit-là où beaucoup se réclament du gaullisme. Et n'en sont pas. Mais là, quelque part, nous avons à la fois l'autorité, l'ordre et le social. Tout va être géré d'une autre façon. Et enfin, Bergano, que voici. Je vous montre un petit peu sous tous ses angles. Bergano, lui, symbolise le début d'un nouveau cycle. Une forme de nouvelle naissance, de renaissance. Et la mort de quelque chose, c'est la mort de tout ça, de toute cette, de tous ces émeutes, de tous ces,
ces phénomènes de violence. On va se diriger, avec le temps, encore une fois, le temps est notre allié, vers une société française qui devient apaisée. Mais ce que je peux vous dire, c'est que le niveau de violence que nous avons atteint ne reviendra plus. Il est sous Emmanuel Macron et que pour 2027, tout ça, nous ne le verrons plus jamais, ce niveau de violence en France. Ce qui ne veut pas dire que sous Macron, nous n'en aurons pas dans 6 mois de la violence. Ce n'est pas dans le sens là, hein. Regardez les runes, le temps est toujours très mal proportionné. Mais une chose est claire, nous avons entamé aujourd'hui un mouvement de transformation. Quelque chose est en train de prendre naissance et racine en nous, qui va s'exprimer dans nos votes, hein, tout simplement. C'est pour ça que je vous dis, peut-être que sous 2024, nous aurons encore un niveau de violence très fort. Les runes ne disent pas le contraire, mais ne disent pas ça non plus. Ce que disent les runes, c'est que nous sommes au firmament ici de ce que nous avons connu, de ce que nous aurons par rapport à l'ère Emmanuel Macron. Et que nous allons aller vers une décroissance forte et plus rapide que ce que nous avons connu pour y arriver. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, nous étions dans les années 80, peut-être 70, hein, pour la venue des travailleurs, ça commençait un petit peu à cette époque, surtout dans les années 70. Nous ne mettrons pas 50 ans pour résoudre le problème. Pour moi, nous serons sur une trentaine d'années pour résoudre le problème, grand maximum, et surtout avec de la décroissance. Et vous voyez qu'après, il n'y a plus rien. Ce qui veut dire que on va résoudre tous les soucis. Alors vous voyez que la voyance n'est pas forcément porteuse de mauvaises nouvelles. J'en vois tous les jours qui m'écrivent pour me dire un tel a prévu la fin du monde, un tel a prévu des guerres. Oui, mais encore une fois, un tel se réfère à Nostradamus, alors que Nostradamus n'a jamais eu de tels ou tels écrits. Hein? Donc faites attention à ce que certains voyants souhaitent vous dire. La voyance n'est pas que la voyance pour annoncer des catastrophes. La voyance est extrêmement agréable, positive, porteuse de bonnes nouvelles. Ce n'est pas que des malheurs qui se montrent en voyance. Les deux s'équilibrent. Nous sommes comme dans le yin et le yang. Alors, si ce tirage vous a plu, eh bien, n'hésitez pas à lever le pouce. Ça aide au référencement de la chaîne, à ce que l'algorithme mette la chaîne plus en avant. Et puis, en attendant, bah, écoutez, je vous donne rendez-vous à très bientôt pour la suite de ces vidéos. Je vous ai annoncé 4 thèmes. Je vais aborder les 4 thèmes. Ce que pensait le policier, ou plutôt ce qui s'est passé ce soir-là entre le policier et Naël. Ce qui se passera dans les années de façon plus détaillée. Et puis, regardez aussi comment Emmanuel Macron est-il perçu à l'étranger face à cette crise inédite en France, même si les violences de 2005 étaient du même niveau. Voilà, je vous donne rendez-vous à très bientôt. Je vous embrasse. Allez, à bientôt les amis.